Yahoo Bidibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement manga, j'achète ou pas. Donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo on va parler de deux mangas des éditions Kana et deux mangas des éditions Kiyun. Pour ce qui est des éditions Kana, on va avoir Heroine Game et Bloom Into You. Into You? Je sais toujours pas. Pour ce qui est des éditions Kiyun, on va avoir Gigante et un manga légèrement ancien vu qu'il date de juillet, Tsugumi Project. Oui, j'avais pas eu le temps de le lire avant et je crois que c'est mon paradis livresque qui a dû m'envoyer l'extrait, donc je l'ai eu en août. Voilà! Donc si la suite t'intéresse, continue. On va attaquer donc avec les éditions Kiyun avec Tsugumi Project. Donc en ce qui concerne cette œuvre, nous sommes pour l'instant, de ce que j'en ai lu, j'ai vu que l'extrait sur un bal des créatures pour la collection du coup du Halloween Manga Challenge. J'espère que le collègue Dragma regardera cette vidéo parce qu'il se dira qu'il a encore oublié un titre pour le bal des créatures. Parce que j'ai pas regardé en fait bal des créatures, mais je pense qu'il aura oublié, le connaissant. Donc en ce qui concerne ce manga, dans ce qu'on a au niveau de l'extrait, ce qui est dommage c'est que tu vas voir très vite au niveau des illustrations face table, c'est qu'on a pas mal de pages où il n'y a pas de texte et je trouve ça dommage parce que justement du coup on se retrouve avec quelques pages qui manquent je trouve pour avoir vraiment envie de s'intéresser à la série. C'est vraiment ce qu'il y a à l'avant qui manque à l'arrière justement pour vraiment avoir envie, même si je trouve que la coupure est très bien choisie. Pour ce qui est de ce qu'on suit dans cette histoire, on suit en fait des aventures de personnes qui sont condamnées à mort et on va leur proposer une solution pour racheter leur faute. Ils doivent passer un an sur l'île du Japon, qui est une île maintenant complètement abandonnée, et retrouver une espèce d'objet qui est une sorte d'arme nucléaire ou je sais pas trop quoi, j'ai pas trop suivi. Donc une arme et ils ont un an pour la récupérer. On leur conseille de ne pas s'entretuer parce que c'est une mission plus d'équipe que soliste. Mais je pense que clairement il va y avoir des morts à droite et à gauche. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Et on voit dès le début qu'on a affaire à des créatures non humaines. On a des sortes de... peut-être d'humains qui auraient muté mais en même temps ça ressemble aussi un petit peu à des singes. Et on va avoir du coup une fille qui est à moitié oiseau. Donc on se demande ce qui s'est passé au niveau de l'île en soi. Et on voit une espèce de lion géant. Donc voilà, la fille moitié oiseau. Et la sorte de lion géant qui est ici. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Ce que je peux t'en dire, c'est qu'honnêtement, dans ce que j'ai lu, ça m'a donné envie de voir le premier volume. De toute façon, il faut que je le lise pour te faire du coup le What New. Même si c'est un oubli, je ferai ça en décembre, je pense, une vidéo What New spéciale, les titres que j'ai pas pu, que j'ai oublié en cours de route. Parce que honnêtement, j'avais loupé l'information même de la sortie du manga. On continue avec le deuxième manga des éditions Kiyun et on est donc avec Gigante. Donc là aussi, pour l'instant, de ce que j'en vois, nous sommes plus sur une espèce de bal des créatures. Ce que je peux te dire honnêtement, c'est que l'extrait... Alors, moi, il faut savoir que là, au moment où je te filme ça, j'ai lu l'extrait, mais j'ai aussi lu le tome en entier. Voilà. Donc, oui, ça j'ai dit, est-ce que j'achète ou pas, ma réponse est oui. Ça, donc, en ce qui concerne ce que l'on voit dans le manga, on suit les aventures d'un jeune homme qui est dans le monde un peu des films, etc., car son père est producteur de films. Et que lui, en fait, est dans un club, justement, de cinéma, tout ça. Et propose, justement, à une de ses camarades de classe d'être le personnage clé de leur film. Mais elle leur fout un vent. Bref. Et on suit surtout les aventures de ce jeune homme qui est fan d'une actrice porno. Et cette actrice, c'est celle que l'on voit sur la couverture. Et l'actrice en question, ben, dans l'extrait, on voit rien de spécial, on voit juste que la jeune fille, ben, en fait, le jeune homme va voir dans la rue qu'il y a des affiches par rapport à elle disant qu'elle habite là et des affiches mal placées, enfin déplacées plutôt au niveau du contenu, et il décide un soir de toutes les ramasser. La jeune fille va le voir et dans l'extrait, on la voit juste lui faire un câlin. Donc, ce que tu vois rien par rapport au titre. Si c'est terminé, je pense que oui, j'achèterai. Et si c'est terminé en très peu de tomes, voilà, parce que vu ce que j'en ai lu, je veux pas trop t'en dire vu que je vais te le présenter dans la vidéo What News spéciale, je crois, sur les titres du mois d'août, mais voilà, ça reste à voir au niveau de est-ce que j'achète ou pas, là-dessus il me manque vraiment beaucoup d'informations par rapport à cette vidéo pour pouvoir te dire réellement.
On va continuer la vidéo avec la troisième et dernière heure qui peut aller donc pour le Halloween Manga Challenge. On va parler de Heroine Game. En ce qui concerne donc ce manga, nous suivons les aventures d'une jeune fille qui est donc une idole. Une idole qui, en fait, c'est un groupe où ils représentent les personnages de... les princesses, tout ça. Donc elle, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et elle va se retrouver transportée dans un monde parallèle où, du coup, elle va être Alice au Pays des Merveilles et elle va devoir, justement, affronter d'autres personnages, tels le Chaperon Rouge, le Grand Loup, justement, etc., etc. Mais en ce qui concerne l'extrait, on a principalement juste qui elle était au niveau de la personne vraiment avant. Et on voit que c'est une connasse de service. Et on la voit juste être transférée dans le nouveau monde et découvrir qu'est-ce qui se passe en croisant le Chaperon Rouge. Voilà. Donc, l'extrait, ben, elle suffit pas parce que honnêtement, moi je sais que c'est une espèce de survival game tout ça. Et la série est terminée en 3 tomes. Donc voilà, moi ça m'intéresse. Mais c'est parce que j'ai plus d'informations dessus et que j'ai mon ami Drake Mark. Et il me semble qu'il en a parlé au niveau du volume en entier. Ouais, je pense qu'il a dû en parler, Drake Mark. Mais voilà, en soi, sinon dans ce qu'on a au niveau de l'extrait, ça donne pas suffisamment envie de s'y intéresser. C'est pas suffisamment découpé loin pour avoir envie. Donc voilà, mais comme c'est une œuvre en 3 tomes, ma réponse est quand même oui, vu que c'est Halloweenesque, voilà. Donc là, pour l'instant, moi, de ce que j'en ai vu, on est sur un bal de créatures, mais après ça dépend comment sont les morts, si on passe en bain de sang ou hurlement dans les bois. À mon avis, on est plus dans un hurlement dans les bois déjà naturellement, et ça peut se transformer en bain de sang selon les morts. On termine donc cette vidéo extrait manga j'achète ou pas avec le seul intrus qui n'est pas pour la collection Halloween. C'est le manga Bloom Into You. Into You, je sais pas trop. Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un manga des éditions Kana. C'est un shoujo officiellement. Shoujo shonen, enfin ça dépend les sites où tu trouves l'info. Toujours est-il, le gros truc à prendre en compte, c'est qu'au niveau du scénario, on a l'impression qu'on va être sur un Yuri. Malheureusement, il n'est pas classé officiellement apparemment comme Yuri. Et malheureusement, je pense que ça va être comme Lady Vampire. On va avoir une histoire où on va voir qu'il y a des sentiments, etc. Mais on n'aura rien de concret. Ce qui est dommage. En ce qui concerne donc ce que j'en ai lu au niveau de l'extrait, je n'ai pas donc lu de volume en entier. Il y avait que Gigante en fait, où j'ai lu le tome en entier entre temps. En ce qui concerne ce que j'en ai lu, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est assez doux, c'est assez mignon. J'aime bien justement le fait que ça soit tout en douceur. J'ai adoré ce qu'on a développé et abordé au niveau des premières pages et je trouve ça plutôt sympa. Après, est-ce que ça va vraiment m'intéresser ou pas, ça reste à voir. Il faudra voir donc sur le premier volume et après sur le long terme. Personnellement, je suis quand même intéressée parce que le côté Yuri m'intéresse énormément. Je trouve qu'on n'en a pas assez en France. Mais je trouve ça un petit peu dommage si certaines maisons d'édition, donc comme Kana pour cette œuvre et je crois que c'était Soleil pour Lady Vampire, enfin bon, peu importe qui a mis Lady Vampire, je trouve ça un petit peu dommage qu'on joue un petit peu sur la popularité du Yuri sans nous donner réellement du Yuri. Voilà, donc si c'est le cas, hein, bien sûr, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le volume en entier et je ne sais pas du tout ce que va donner la série en entier. Mais toujours est-il, en tout cas, est-ce que j'achète ou pas? Ma réponse est oui, parce que vu ce que j'en ai lu, je suis plus que convaincue. Cette vidéo extrait manga j'achète ou pas est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout pour m'aider à m'encourager par rapport à certains projets YouTube que je suis en train de mettre en place, justement. Le fait que ceux qui... Je sais que vous êtes quand même quelques-uns à me suivre, à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné, ça permettrait vraiment de m'aider peut-être à réaliser certains projets, donc pensez-y. Je vous mets donc en recommandation les deux précédentes vidéos extrêmement gâches, achète ou pas, que j'ai pu poster sur la chaîne. N'hésite surtout pas aussi à me mettre en commentaire quels sont les mangas dans ces 4 titres qui t'intéressent et ceux qui t'intéressent moins. Et je te retrouve donc assez rapidement pour une nouvelle vidéo extrêmement gâche, achète ou pas. Sur ce, à bientôt.